T'as mis en route là ou pas? Oui. Salut tout le monde! Salut Gerson, Sébastien, Maxime Lemoine, comment vas-tu? Eddie, salut! Alors, sur Facebook, il y a du monde, il y a du monde. Bonjour tout le monde, Maxime Boulanger, Jo, Alex, Alexis, Agnès. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Faites-moi un coucou, ceux que j'ai pas vus, hein. N'hésitez pas, parce qu'on voit pas tout le monde. Maëlle, je viens d'apprendre que tu étais la fille de Laurence, donc coucou Maëlle. Virginie, coucou. Hey. J'espère que vous avez passé un bon week-end tout le monde. Il y a quelqu'un? Ouais, on est là, Jo. On est là, on est là. Que vous m'entendez? Coucou Marine. Mathieu, salut. Salut à tous. Gadouche Moussa, coucou. Alors, je répète, est-ce que vous m'entendez? Ah, merci Jo. Merci Virginie d'avoir répondu. Salut. Merci Quentin, salut à toi aussi. Ceux qui sont sur Insta, coucou tout le monde. On va bientôt attaquer. D'ici 2 minutes, on attend que ça se remplisse un petit peu. Salut Dani, Silvio, coucou. Ok Agnès, merci. Salut Ayat. Merci Franck. Ok, il n'y a pas de souci. Ok Antoine, merci. Salut la famille Besançon. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Nico Lemay, coucou. Tout le monde est là, j'ai pas vu la famille Delberg. Maximilien non plus. La famille de Quacon, vous êtes là? Bon, on va attaquer. On va expliquer les exercices. Salut tout le monde.
Bienvenue en ce lundi 13 avril, 21e séance. Aujourd'hui, donc, on part pour une semaine de confinement, voire plus, hein, si affinité. Donc, du coup, qui dit confinement, dit séance à la maison. Donc, aujourd'hui, on va partir sur le, comme chaque lundi, sur un thème généralisé. On va travailler encore le cardio aujourd'hui avec plusieurs types d'exercices. On va faire un 4 minutes d'échauffement, on va faire un déverrouillage articulaire, comme à chaque fois. Et ensuite, on va enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuits. Donc, comme on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que je prends deux exercices qu'on alterne à chaque fois. Donc, c'est-à-dire une musique dure 4 minutes. Donc, on doit faire 8 exercices par musique. Donc, on va faire 4 fois chaque exercice. Premier exercice, premier circuit, ça sera jumping jack avec demi-squat, alternance. Pompe pliométrie, donc je vous ferai voir après. Et pour les filles ou pour ceux qui ont un peu plus de soucis, ce sera pompe sur les genoux pliométrie. Alternance avec demi-squat jump. On fera jumping jack squat avec gainage avant-bras. On fera burpees avec gainage latéral côté gauche. Nous ferons abdorhammer avec gainage latéral côté droit. Nous ferons sitting crunch avec dorsaux. D'accord ? Donc ça nous fait toujours nos 48 exercices. On est parti pour 24 minutes de travail. 4 minutes d'échauffement et 4 minutes de récupération à la fin, voire plus. On va essayer d'enchaîner deux circuits à chaque fois avant de prendre une pause. Si on voit que le rythme cardiaque monte énormément, on prendra des pauses entre chaque circuit. D'accord ? Sinon, on va essayer de faire comme la semaine dernière. Deux circuits, on enchaîne deux circuits, donc 8 minutes d'exercice, une pause. 8 minutes, une pause. Ok pour tout le monde ? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. On est parti pour les échauffements et je vais démontrer à chaque fois. Ok ? Allez, on va être parti. Hop, je regarde si tout est en place. Aïe. Si on est nombreux ou pas aujourd'hui. Ok, ça monte. Allez, on y va. Tu mets une musique, Léon. Premier exercice, on va faire une marche, des déverrouillages au niveau de la cheville. On va attaquer sur talon, plan de pointe. En alternance. Vous écrasez le sol, comme si c'était une éponge, vous les saurez. Ok, déverrouillage du bassin, vous allez mettre les mains au niveau des hanches, vous allez prendre largeur de hanche au niveau des pieds, et on va faire des mouvements de la droite vers la gauche. Allez, et on change. Pense bien à déverrouiller, donc aujourd'hui c'est très cardio. Hein. Ok, déverrouillage au niveau des épaules, on va faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Allez, c'est parti. Allez, on change vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Allez, vers l'avant. Allez, on fait bien les cercles, vers l'arrière. Ok. On va déverrouiller un petit peu les genoux. Vous allez mettre les mains sur le bas des quadriceps, des cuisses ou sur les genoux. Et on fait des petits cercles de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Poignée et cheville en même temps. On va faire des petits cercles avec la cheville. Donc vous allez vous mettre sur la plante ou la pointe de pied. Et vous allez faire des mouvements rotatifs. Et poignée pareil. On change. Quand je dis on change de pied. On change. Allez, on change. Ok. On va maintenant déverrouiller au niveau du coude. Vous allez passer une main en dessous de votre coude gauche. Et on fait comme de la tectonique. En dessous, au-dessus. Plusieurs fois.
On change. La même chose. En dessous, au-dessus. En dessous, au-dessus. Changer. Ok, on change. Ok, relâchez. On va sautiller après sur place. Histoire de faire monter un peu le palpitant, le rythme cardiaque. Et chauffer tout le corps. C'est parti. On sautille sur place. Le dernier, on va marcher. J'ai oublié une info, il vous faut un livre pour les pompes plio. Il faut un livre pour tout le monde. Ou une petite marche, ou une petite cale en bois. Je vous laisserai une petite minute d'aller chercher ça. Quelque chose qui supporte votre poids. Ne mettez pas plusieurs jaquettes de DVD ou de jeux de PlayStation parce qu'on va les écraser. Hop, on met pause aidé. Il nous faut 2 livres, Flo. Alors, prenez 2 livres, votre bouteille d'eau, une serviette, merci. Hop. Un livre comme ça. De Christina Baker, Clean, Le Train des Orphelins, très beau livre. J'adore lire, j'adore. C'est une passion, c'est un hobby. Alors, on va décaler sur les 2 premiers circuits, vous allez décaler votre tapis, qu'il ne soit pas. Voilà. Premier exercice, donc je démonte et je vous fais pas la pompe plio. Premier exercice, jumping jack, même principe. Verrouillage des genoux, d'accord, on est sur plante de pied, les talons ne touchent jamais. On fait les vols de mer, mais debout. Ici. On verrouille. Bien au niveau des abdos aussi, on est grand. Voilà, ça c'est jumping jack. Et on alterne avec demi-squat. Ici. Ok. Donc on ne penche pas le bus vers l'avant. Hein. Le bus est légèrement en avant. C'est les fesses qui descendent en premier. Et les talons ne les décollent jamais. Et on vient chercher devant. Demi-squat. D'accord. Donc environ à 90 degrés. Donc alternance, jumping jack, demi-squat pendant 4 minutes. Ensuite, on fera pompe pliométrie avec squat jump, avec demi-squat jump. Donc la pompe plio, en fait, c'est quand il nous faut une différence de hauteur. Ok, donc pas besoin d'avoir très grand. Hop. Une pompe normale, c'est ici. On est ici, on va descendre et on va remonter. Là, je vais vous demander, c'est de partir ici. On va mettre une main sur le livre, on décale un tout petit peu le bras gauche et on descend. Ensuite, j'alterne, hop, je mets ma main gauche sur le livre et je descends. Si vous n'avez pas de livre, c'est pas grave. Vous le faites sans la petite cale. D'accord? Donc une main sur le livre, je viens sur un côté, je fais une pompe et j'alterne de gauche et droite. Et ce sera alternance avec un squat jump. Un demi squat jump ici et j'explose. D'accord? Donc on est parti pour 8 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour la pompe, pour les pompes, tiens Flo, tu peux faire voir. Vous pouvez faire aussi en demi-pompe. Même exercice, vous vous mettez sur les genoux. Hop. Donc main, voilà, sur le côté. Elle descend, hop. Alors, il faut refaire une démonstration. Donc, fais une pompe normale. Alors, voici une pompe normale. Descends. Ok, non, excuse-moi Flo, sur les genoux. Sur les genoux. Voilà, fais une pompe normale. Voilà, on revient. Maintenant, tu fais avec le livre. Voilà, ton bras gauche, hop, le bras gauche, il va aller plus sur le côté. On va faire une plus grande ouverture. Voilà, et tu vas chercher en diagonale. Ok, ensuite, voilà, tu enchaînes et tu écartes. Et on descend. Faut que ça aille très vite ce mouvement-là, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. 8 minutes. Jumping jack pour commencer. Alternance avec demi-squat. Right. Bonne chance, tout le monde. Mets un peu plus fort les lèvres. Pensez à mettre votre chrono. 3, 2, 1. Top.
Ok, soufflez bien. On est parti pour des demi-squats. Ok, un tour de fait, on a quatre à faire. Deuxième tour. Sur les demi-squats. Super. Demi-squat. Ok, quatrième et dernier tour pour ce circuit-là. Ok, demi-squat. Ok, prenez votre livre pour plio. Donc on vient chercher bien sur le côté. Hein. C'est pas une pompe droite, c'est une pompe diagonale à chaque fois. Ok, je te bloque. Demi-squat jump. On pense à bien amortir. Oui, il va piquer celui-là. Ok, pour ceux que c'est dur. Vous ne faites pas les pompes en plio et vous faites des squats normales.
Super. Allez, c'est pas le job. Demi-squat, jump. Bien joué, bien joué. Dernier demi-squat. Yes, pause. Allez, soufflez bien. Ça va tout le monde? Ça suit? Allez, c'est bien tout le monde, c'est bien, on continue. On va reprendre en 30 secondes. Alors, vous avez besoin du tapis. Là, on va alterner un jumping jack squat avec un gainage latéral. On fera toujours le même côté. Bon, on va y aller. C'est bien Patricia, c'est bien. Adapte-toi oui aux exercices, c'est bien. L'important c'est de faire comme on peut hein, et de ne pas lâcher. Alors, le jumping jack squat, je vais faire voir. Je vous ai fait voir le jumping jack là. Le jumping jack squat, c'est l'alternance d'un squat et d'un jumping jack. Je vais écarter mes pieds à 10h10 un peu, je fléchis et je saute. Je reviens pieds joints. Ok? Je fléchis, je saute. Ça c'est jumping jack squat. On alternera avec gainage sur les avant-bras. Ok? Donc j'alterne soit statique, soit dynamique, on verra. Ensuite on fera burpees sans la pompe. Ok? Je refais voir. On est sur les mains, on rentre bien les fesses, on ramène les pieds
et on expose vers le ciel. Et on enchaînera avec un gainage latéral côté gauche. J'ai mal écrit. Ah si, c'est un jeu. Voilà, côté gauche. Et ensuite, on prendra une pause. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, mets-nous un truc qui bouge. Rocky, c'est très bien. Allez, jumping jack squat. Ok, gainage avant-bras, le premier on se fait statique. Donc le dos bien droit, on verrouille les fessiers. Et on serre les abdos. Ok, un tour de fait, on enchaîne le deuxième. Ok, on va faire gainage en dynamique, on descend et on remonte le bassin, des petits mouvements. Ok, on repart pour les jumping jacks, squat. Troisième tour. Gainage. On bouge pas. Allez, on repart pour le jumping jack. On a tous les cuisses en feu, là, c'est normal. Allez, quatrième. Alors dynamique, on descend, on remonte le bassin. Ok. Burpees sans la pompe avec gainage côté gauche. Ok. Gainage côté gauche. Thank you.
Pense à bien respirer, à souffler. Ok, deuxième tour, rapide. Allez, c'est bien, c'est bien. Toujours du même côté gauche. On reste en statique. Allez, burpees, troisième tour. C'est bien, c'est bien. Allez, bien là, côté gauche, troisième. On reste statique. Allez, dernier burpees. Allez, dernier gainage. Ok. Super, 1 minute 30 de pause, c'est bien tout le monde, soufflez bien. Marchez. Prenez l'air un peu. Ça va tout le monde? Ça suit? Là, le rythme cardiaque qui monte, hein, c'est normal. Hein. Allez, 40 secondes encore. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est chaud, hein. Coucou Isa. Pamela, coucou. Philippe. Mika Piche, salut. Salut Julien. Octave, coucou. Salut Pascal So. Ça va, poteau? Ton talon d'Achille, ça va mieux? Ok. Bon, je vous explique. Parce qu'on a des nouveaux. Donc là on est parti pour, c'est des abdos du gainage.
Premier exercice, c'est abdos rameur. Donc je refais voir. On part en position assise. On lève les pieds, je tends les bras et les jambes une fois et je remets en position assise. Donc ça fait comme ça. Ok? Donc pour les nouveaux, il est dur. Donc vous, ce que vous allez faire, Patricia par exemple, tu te mets sur les fesses, tu mets les mains derrière, au sol. Ça va t'aider. Tu lèves les genoux et tu vas juste tendre les jambes et revenir. Donc tu descends un peu les épaules, tu tends les jambes et tu reviens. Et tu t'aides tes bras. D'accord? Deuxième exercice, on fera gainage côté droit. Donc on l'a fait gauche avant, côté droit. Donc ça, on enchaîne 1-1 pendant 4 minutes. Et ensuite, on fera cycling crunch les dorsaux. Cycling crunch, je fais voir. On allonge comme ça sur le dos. On va pédaler avec les jambes. Mon coude droit va venir chercher genou gauche en hauteur. Et inversement, je pédale. Voilà, ça c'est un cycling crunch. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, vous posez soit la tête au sol, vous vous relevez un peu et vous pédalez. Vous mettez les mains au sol et vous pédalez. D'accord? On alternera avec les dorsaux. Dorsaux, vous souvenez? On est sur le ventre. Et on est main derrière la tête ou au niveau des fesses et on enlève les épaules et les pieds. On travaille le bas du dos. Ce qu'on appelle les dorsaux. D'accord? Donc, premier exercice, c'est abdos rameur avec gainage côté droit en alternance. Allez, c'est bien. Je pense qu'on a fait les plus durs. On continue. Musique. Lélé. On a DJ Lélé. Hein. Voilà. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Gainage côté droit. Pour ceux qui ne peuvent pas comme ça, vous mettez une jambe devant. Allez, c'est bien. On tient le bon bout là. C'est une bonne reprise. On fait fondre le chocolat d'hier. Moi j'avoue, j'ai mangé quelques chocobons et un lapin Kinder en entier. Bon, pas les grands non plus. Hein. C'est mon seul péché depuis les vacances. Alors j'ai bu un ou deux apéros aussi. Avec du saucisson. Allez, deuxième ménage. On reste tout le temps statique. Ok, troisième abdos rameur. Troisième gainage. Ok, dernier rameur.
Dans le gainage. Vous brûlez, vous tétaniser. Allez, sitting crunch. On est parti pour les 8 derniers exercices. C'est bien. Les 4 dernières minutes. Dorsaux sur ventre. Allez. On lève les épaules et les pieds. Alors on lève bien les épaules là. Vous descendez en bas du dos. Ok, un tour validé. Deuxième. Allez, plus que trois. Ok. Prends le dorsal, toujours en statique. Allez, troisième tour. On a fait 50%, c'est bien. Allez, troisième morceau. Allez, dernier rameur, dernier sitting crunch. Ok. Le dernier, last one, dorsaux. Allez, on reste bien haut. Yes. Yeah. Hello tout le monde. Super. Quel lundi de Pâques. C'est un bon lundi de Pâques ça. Allez, on va étirer. Ceux qui veulent boire, buvez. Allez, position papillon. Vous mettez
soit les mains sur les chevilles ou sur les tibias, et vous allez mettre les coudes sur les genoux. Avec vos coudes, vous allez descendre vos genoux vers le bas. Allez, et on maintient un peu. On relâche. On recommence. Ok, on relâche. Vous gardez une demi-jambe en demi-papillon et l'autre jambe tendue. Avec votre main droite, si c'est la jambe droite, vous allez chercher la pointe de pied et les épaules aussi se penchent vers l'avant. On souffle bien. Vous relâchez. On reprend. Ok, on relâche, on change de jambe. Vous pliez la jambe droite en demi-papillon, jambe gauche tendue, la main gauche vient chercher devant. On relâche, on reprend. Ok, on relâche. Étirement du psoas. Allez, gars du foot, le psoas. Mika Pichot, tu te souviens? C'était la bonne époque ça. Ok, une jambe fléchie, l'autre au sol comme ceci. Vous allez mettre les mains sur votre genou droit et on va basculer le bassin vers l'avant. Vous allez cambrer les jambes dans le dos, petite lordose en fait. On bascule comme ça vers l'avant, tout poids de corps vers l'avant et on va étirer ici, le muscle ici, le psoas et un petit peu l'adducteur. Le psoas en gros, c'est le muscle qui permet l'élévation de la jambe un peu. On relâche, on reprend. De joueurs, beaucoup de sportifs se font des petites tendinites de ce muscle là, ils pensent que c'est l'adducteur mais c'est souvent le psoas, c'est parce qu'on manque de souplesse, d'accord. Donc vous pouvez l'étirer comme ça ou alors mettre une jambe sur cette jambe là surélevée et l'autre dans le vide pour aller plus loin en profondeur sur un banc. Cette jambe là maintenant vous allez l'attendre, la jambe droite, et on va se pencher vers l'avant. Voilà, on va étirer l'ischio, le muscle derrière la cuisse. Vous relâchez et on reprend. Ok, on change. On fléchit, voilà, on inverse les jambes. L'étirement du psoas. On relâche. On reprend. Ok, on relâche, super. Jambes tendues celle-ci. Et on vient chercher devant. Relâchez. On va chercher. Ok. Sur le ventre. Hop. On s'allonge. On va étirer le quadriceps. Je relève mon pied droit. Ma main droite vient chercher mon pied et le talon dans la fesse. Relâchez. On inverse. Relâchez. On inverse. On inverse. Ok. On va s'asseoir sur ses talons. Comme ceci. Et on vient chercher devant et devant. On va étirer le dos. Allez chercher le plus loin possible avec vos mains. Ok, relâchez. On va se mettre sur le dos. Voilà. Vous me mettez sur le dos, vous me tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche, votre main droite vient chercher votre genou gauche. Vous mettez au sol votre bras gauche et avec votre main droite, vous allez faire basculer le genou par-dessus la jambe droite. On va étirer ici, les lombaires et le fessier. Relâchez et on recommence. Relâchez, change de jambe, on plie, je vais chercher avec mon bras et je bascule par-dessus. Ok, relâchez, on revient en position et on recommence.
relâche bien. Ok, vous pliez les jambes comme ceci. Mon pied gauche vient se poser sur le genou droit. Ma main droite va passer à l'extérieur de la jambe. Et ma main gauche vient entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Regardez, hop, et je vais chercher le genou en dessous. Et je ramène mon genou vers moi. On étire le fessier ici. Si ça étire pas assez, vous prenez la plante de pied pour en énorme. Moi, perso, au fait, par rapport à la séance de vendredi, j'ai deux jours de combattre aux cuisses. Au cul, aux fesses. On va travailler les fessiers vendredi. Ok, on change. Même principe, je mets mon pied sur le genou. Ma main droite passe entre les deux, viens chercher le genou. Et je ramène. Ok, on se relève. On n'a pas fait les adducteurs. Donc, on va écarter les jambes. Vous rentrez les pieds comme ceci. Je fléchis celle-ci, hop, et j'étire mon adducteur ici. Regardez, je fléchis, je tends celle-ci. On inverse, même chose. On inverse. Ok, super, il y en a fa. Ok, merci à tous. Vous pouvez. Au revoir à tous. 21e séance, n'oubliez pas de. Allez mettre, suivre notre page sur Insta, Romain-Dutsou, coach-Dutsou sportif. Notre chaîne YouTube, tout en majuscule, Sport2B Espace Forme. D'accord? Vous avez des vidéos sur la préparation physique qui sont mises. Vous avez les premières séances du confinement qui ont déjà été mises sur le site. On va essayer de toutes les mettre au fur et à mesure. Pensez à vous hydrater. Likez la page, envoyez-nous vos photos. Moi je les récupère les photos, comme ça je ferai un petit poster sur la fin. Likez, partagez, diffusez autour de vous. On se donne rendez-vous demain, d'accord? Même heure, 17h55 pour la prise d'antenne et 18h. Demain on a besoin de bouteilles d'eau. Donc petite bouteille d'eau pour les filles et grande bouteille pour les garçons. C'est séance pec, épaule, biceps, triceps, d'accord? Il y a un petit peu d'abdos et un petit peu de gainage. Je vous dis à demain, bye bye. Bon repos tout le monde! Salut!